Hello, bonjour à tous sur ma chaîne les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vos familles se portent bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous ai partagé ma soirée d'hier et ma matinée d'aujourd'hui, mais je n'ai pas fait d'introduction. J'ai juste commencé à filmer et je me suis dit, je vous fais l'introduction de cette vidéo. Vous êtes mes copines et dans cette vidéo, je n'ai fait que vous raconter un peu de ma life. Et je suis sûre que dans cela, comme d'habitude, comme vous me le faites savoir, vous allez sûrement trouver quelques petites astuces et conseils. N'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter et à partager pour me motiver. Ce n'est pas facile de faire des vidéos quand on en a tout. Ma voix, si là, ce n'est pas ma vraie voix. J'ai une toux là. Une toux qui insiste. Malgré la prise de ginger, ail, citron et les sirops. Ça ne fait qu'insister. Mais bon, aujourd'hui, c'est bien mieux par rapport à la dernière vidéo où vous entendez ma voix off vraiment catastrophique. On espère que ça va aller et on souhaite bonne guérison à toutes les autres personnes qui sont malades. Donc, les amis, n'hésitez pas à liker la vidéo. Je sais que je l'ai déjà dit, donc j'insiste dessus. Likez la vidéo, s'il vous plaît. Likez et partagez autour de vous. Alors, allons-y dans cette vidéo. Les filles adorent la décoration de leur chambre. Elles jouent là-bas tous les soirs. Et la plupart des temps, elles préfèrent que la lumière soit éteinte pour qu'elles puissent enjoy des lumières de la décoration là. Donc je partage avec vous un peu comment c'est éteint. Donc voilà l'effet un peu disco. C'est tellement bien de voir les enfants contents après qu'on ait fait un travail comme celui-ci. L'investissement, le temps et l'énergie. C'est notre récompense, leur sourire et leur joie. Cette chambre est un peu comme un tout pour les filles. Dortoir, salle de jeu, parfois même salle d'études, vu qu'on a une seule pièce pour les filles. Et on fait avec. On ne se plaint pas, au contraire, on rend grâce à Dieu pour ce qu'on a et elles sont joyeuses et maman aussi est joyeuse. Ce soir-ci, j'avais nettoyé le sol et j'ai fait le ménage parce que le matin, je devais être saturée. Je devais être un peu occupée le matin, donc j'ai fait le ménage le soir. J'ai bien tout repositionné, la décoration comme c'était, parce que après le jour de la décoration, elles ont tout saccagé encore. Je me suis dit, bon, je refais un petit ménage, je remets tout en place. Et je voulais enlever leurs draps. Elles ont dit, non maman, s'il te plaît, laisse nos draps de Noël. Donc, je risque d'enlever ça après le 25, que Noël passe. C'est vrai que j'ai envie d'enlever et laver, puis remettre. Mais même ça, ils ne sont pas d'accord. Donc, j'ai pas de choix. Je vais laisser ça comme ça. Juste veiller à ce qu'elles ne montent pas laver les pieds sales. Déjà que les enfants ne sortent pas beaucoup. Donc, que les draps restent pendant 2 semaines. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est trop pour vous. Merci à tous les mamans qui m'ont conseillé d'enlever tous les nounous dans le lit de bébé quand elle dort. Ce que je faisais, c'était juste d'enlever les têtes d'oreiller et laisser les nounous sur ses pieds. Parce qu'elle n'est pas encore grande, il y a de l'espace en bas de ses pieds pour mettre les nounous. Du coup, je vous dis merci pour votre conseil. Maintenant, j'enlève tout. J'ai mis une multiprise pour pouvoir éteindre leur lumière. Cette petite multiprise avait une seule connexion à un interrupteur. Ça permet d'éteindre quand elle dort et ça n'empêche pas de brancher quelque chose sur la même prise. Donc on a pensé à tout.
Je viens partager avec vous mes quelques petits achats, des petits trucs que j'ai chopés pour me faire aussi un cadeau. Cette huile de cheveux, c'est la deuxième fois que je l'achète parce que je l'ai achetée il y a quelques jours. Ma soeur a chipé. J'étais obligée d'acheter un deuxième. Je me suis offert un parfum. Ce parfum-ci, je l'ai acheté à très bon prix et ça sent bon. J'ai acheté les nœuds papillons, les deux nœuds papillons là pour les filles. Et j'ai aussi acheté des ongles. Ce sont des jeunes filles au rayon qui m'ont conseillé ces ongles-ci. Elles disent que ça colle facilement et ça se retire facilement. Je n'ai pas encore essayé. Je me suis aussi acheté ce petit gloss. Donc j'ai écouté votre conseil de me faire un cadeau. Je l'ai acheté pas parce que je n'ai pas un autre parfum à la maison. J'ai un autre parfum, mais l'odeur ne me plaisait pas trop. Pourtant, je l'ai acheté bien plus cher que celui-ci. Je me suis dit, je m'offre quoi pour ces fêtes, pour cette fin d'année? Et j'ai pris ce parfum. La boîte est d'abord jolie et le parfum aussi sent bon. Je suis satisfaite de ce parfum. En plus, c'est moins cher. Hein? C'est moins cher que ce que j'ai qui ne me sent pas bon là. Je suis un peu compliquée en termes d'odeur quand même. J'aime sentir bon. Et j'aime avoir de bons parfums. Pour celles qui me suivent depuis, vous avez déjà eu à voir un peu ce que j'utilise comme parfum. Des parfums qui ne sentent pas fort. Pour que tu constates que j'ai le parfum, il faut que tu te rapproches vraiment de moi, soit pour me saluer, soit pour une bise. Genre, à passer à distance, tu sens fort là. Je ne suis pas sur ça. Je préfère les parfums discrets. Donc voilà la chambre des enfants comment c'est quand tout est éteint. Au moment de dormir, j'éteins les lumières et je pince leurs rideaux tels que vous voyez ici. Ces rideaux-là ne se tirent pas sur les tringles parce que ça n'a pas d'anneau. Donc je ne veux pas me mettre à tirer tout le temps, retirer avec la force. J'attrape juste comme ça et je mets une pince. Désolée pour ma voix, les amis. C'est la toux là qui continue. La toux s'il ne veut pas s'arrêter. Ça a transformé ma voix. Donc, bébé dort déjà. Elle est au lit. Après, elle, ses soeurs vont aussi aller au lit et on va mettre leur moustiquaire. Parce que quand je dresse souvent bien leur chambre, j'enlève la moustiquaire. J'ai accroché ça de telle sorte que ce soit facile pour moi d'enlever. Moi, avant d'aller me coucher, je prends une tasse de thé. On va appeler ça tasse de thé de clou de girofle. Et je vous montre le parfum que j'ai, que je trouve que ça sent fort. Pourtant, je l'ai acheté plus cher que celui que je viens d'acheter là. Ça sent trop fort. J'ai acheté le parfum dans le carton sans humer. Juste le nom m'a fait croire que ça devait être un parfum doux, mais c'est fort. Quand je mets ça sur moi, je mets juste type. Et c'est tout. Après, j'ai acheté ce petit autre parfum, ce qui sent très bon et c'est doux. Et c'est moins cher, hein, parce que je ne voulais pas trop utiliser le gros là. Et j'ai trouvé celui-ci qui m'a le plus intéressé, c'est bambou. C'est écrit dessus bambou. Je vous donne comme ça les mamans, les copines, des idées de cadeaux pour vous-même. N'hésitez pas à vous offrir des cadeaux. Vous avez corroboré à mon idée de s'offrir à nous-mêmes des cadeaux en tant que maman. Nous faisons beaucoup de choses. Faisons-nous des petits cadeaux, surtout en cette fin d'année. Ça fait du bien de s'offrir des cadeaux, même s'il n'y a personne pour offrir. Généralement, ce sont les mamans qui pensent à tout le monde et on les oublie parfois. Donc, si on t'oublie, toi-même ne t'oublie pas. Je vais déplacer mes bibles et mettre ici parce que les chevets de lit ont la décoration de Noël. Bon, je bois mon thé de clou de girofle et je m'en vais me coucher et on se retrouve dans le matin. Et je vous montre comment les moustiquaires des filles sont accrochées. Elles dorment toujours dans la moustiquaire. Toujours. Parce que les moustiques chez nous, si on fait de notre mieux pour fuir la maladie, pour fuir le palu. Et Dieu fait le reste. Je vais venir donc juste enlever la pince sur le rideau et repositionner le rideau.
Du coup, c'est plus facile. Sur le lit de bébé aussi, il y a une pince pour bien fermer et cacher les ouvertures pour que les moustiques ne puissent pas entrer. J'ai constaté sur la fenêtre des enfants qui avaient, comment on appelle ça, la bouée ou la buée. N'hésitez pas à me dire en commentaire, cette eau-là. Du coup, j'ai essuyé parce que quand les rideaux vont coller dessus, et vu que je ne vais pas enlever le rideau pour sécher, ça va faire la moisissure. Sinon, après, dès qu'on a ouvert la fenêtre, ça sèche seul. Et on ouvre toujours la fenêtre des enfants, que ce soit en saison pluvieuse ou en saison sèche. Ça permet de renouveler l'air dans la chambre, ça permet d'avoir une meilleure respiration, que ce soit pour bébé ou pour les filles, c'est très important. Ne restez pas les fenêtres fermées, les copines, même si certaines vont dire que ça met le froid dans la maison. Ouvrez au moins 15 minutes pour aérer avant de refermer. Ensuite, je vais donner le médicament à bébé parce qu'elle fait un peu de grippe. Et puis, je vais nettoyer son nez. Nettoyer son nez, c'est le combat. Maintenant qu'elle est grande, c'est plus grave. J'ai Physiodose ou Baby Soin pour le faire. Tout ça, c'est le pédiatre qui a prescrit. Et avec l'étacol que vous avez vu là. J'ai nettoyé le nez de bébé. Elle s'est mise à déranger parce que ça l'a énervée. Elle s'est fâchée. Je l'ai portée. Et c'est mon mari qui va faire le ménage dans la chambre des enfants ce matin. Ce ménage-là consiste uniquement à soulever les moustiquaires, dresser les lits, c'est tout. Parce que j'avais déjà la veille bien nettoyé leur sol. Vous-même, vous voyez comment c'est propre. Dans la chambre des filles, je mets aussi les effets du bébé pour que si j'ai besoin de la changer, que je ne sois pas en train de me déplacer. Je peux juste m'asseoir sur le lit des filles et je la change. En effet, bébé a deux chambres. Bébé a deux chambres en fait. Elle dort partout, dans son lit et dans notre lit. Et voilà, la chambre est rangée, tout est à sa place. Les moustiquaires sont bien soulevés. Là, on ne les a pas retirés, on a laissé pendre. On se retrouve donc à la cuisine. Ici, je suis en train de faire le remède de sang de ma fille. Là, c'est le kouem. Les feuilles de kouem bien lavées avec le bicarbonate de soude et pressées. Ensuite, tamisées avec ça.
C'est pour plusieurs prises, il y a quatre voies. Regardez comment elle a percé le lait. Heureusement que ça sort quand même. Elle a massacré la boîte si avec le couteau. Donc voilà, j'ai pressé. C'est une grande quantité quand même qui a donné ça. Et comme là était tout ce que j'ai pressé, c'était presque plein dans la marmite. C'est quand j'ai fini de laver. Il faut bien laver avec le bicarbonate de soude. J'ai d'abord mis de l'eau ici, trempé dedans avec du bicarbonate de soude, lavé, rincé. Maintenant, j'ai frotté. Il faut être patient. Vous frottez jusqu'à ce que le jus sorte. Je n'ai pas ajouté de l'eau. Le jus est sorti. J'ai tamisé avec ça. Là, je vais lui donner la moitié. Avec la moitié de lait. En réalité, je ne maîtrise pas les proportions ni même les quantités. Mais je vais d'abord donner moitié de jus de kwemsi, les feuilles de manioc, et moitié de lait si. À midi, elle va encore boire le reste. Et le soir, je vais presser ceci. C'est ça les feuilles de kwemsi. C'est ça. Les feuilles de manioc. On prépare aussi ça comme le ndolet. On prépare avec le même principe qu'on fait le ndolet. On lave et on pile. Voilà. Donc, c'est ça. Et moi, mélanger. Je pense que là, j'ai fait la moitié, non? Donc. Ouais, ma fille, où est-ce que tu as pensé? Et qui est? Tu ne sais pas encore comme ça comment? Oh, pourquoi tu as séparé? Ah, peut-être tu as bien fait de séparer. Maman, tu as percé même quoi comme ça? Oh, donne-moi le couteau. Voilà comment on pèse une boîte de lait, de paille et d'autres. Oui, les gens du Mungo maîtrisent. J'espère qu'il ne va pas tout enlever. Hey, comme le métier, excusez-moi, il y avait la pipette que vous allez avec. Pour boire avec une pipette. Pour que ce soit plus fun. C'est comme si j'ai versé tout le lait là ici, hein, ma fille. N'est-ce pas? Pardon, on boit. C'est une petite quantité qui reste. On va seulement compléter avec l'autre. Pourquoi? C'est pour ta santé, mon bébé. Oh, bois vite. Une seule. Donne-moi le chiffon, je vais nettoyer ici. Bois seulement. Pap, 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 pap. Pap, 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 pap. On va garder ceci. Le déjeuner. Bon. Ici, il y a le repas du bébé. On avait dit carottes, haricots verts à quantité égale. J'espère que c'est quantité égale. Direction le frigo. Maintenant, vas-y.
Donc voilà. Ça lui fait 3 repas parce qu'elle ne mange vraiment pas beaucoup. 3 à 4 repas. Je laisse encore refroidir et je mets dans son bol. C'est maintenant le moment de cuisiner et je vais faire l'igname sauté avec la tomate et le poisson. Je sais que c'est quelque chose que j'ai déjà eu à partager avec vous. Si je cuisine régulièrement l'igname maintenant, c'est parce que le prix est abordable. Généralement, l'igname est tellement cher qu'on ne peut même pas oser. Donc quand c'est abordable, je saute dessus. Je préfère acheter les choses qui sont à la hauteur de mon budget et surtout les choses de saison parce que là c'est moins cher et c'est même meilleur. Donc j'ai sorti mes restes de tomates que j'avais écrasés là. C'est un reste que j'avais utilisé et mettre au frigo, j'ai sorti ça. J'ai sorti le bouillon de poulet, c'est ça qui est dans le bol là. Et j'ai aussi sorti le piment. J'ai sorti également mon mélange de condiments que j'écrase souvent là pour faire ce repas. N'hésitez pas à checker sur ma chaîne la vidéo où je partage avec vous ma recette d'igname sauté. Alors les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. Merci d'avoir liké malgré ma voix. Merci infiniment pour la force, pour le soutien. Portez-vous bien et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Bye bye!